Madame, monsieur, bonsoir. Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage. Et donc, au rendez-vous, nous allons aujourd'hui parler de grandes questions d'actualité. L'actualité, c'est d'abord ce gouvernement Tshibala qui est déjà à pied d'œuvre avec des missions spécifiques parmi conduire le pays vers l'organisation des prochaines élections, une mission qui est prioritaire selon le Premier ministre Bruno Tshibala. On va décrypter cela dans ce magazine avec notamment les avis et considérations du RASOP. Le RASOP El Félix qui n'entend pas de cette oreille et qui veut bien entendu qu'il y ait application de l'accord conformément à ce qui a été dit. On va y revenir pour décrypter des votes en comble cette question qui cadre avec les élections qui font des pairs avec la dernière sortie médiatique du président de la CENI, lui qui était bien entendu dans l'impossibilité d'enrôler au Kassai. Au Kassai, vous le savez, avec la question sécuritaire qui se pose avec acuité. Et puisqu'on est dans ce registre, vous vous souviendrez qu'il y a eu des révélations cette semaine qui ont tendu jusqu'à toucher le ministre et député Clément Kankou. Toutes ces questions sont à décrypter dans ce magazine Carrefour d'analyse. Pour y arriver, nous avons trois invités. D'abord, le Rassemblement qui est représenté sur ce plateau par l'ADER, le parti de l'honorable François Mombatichimbi, et c'est son fédéral en province qui est avec nous, monsieur Christian Kitungwa, bienvenue. Merci, merci à vous, monsieur le journaliste. J'en profite pour saluer tous les membres et cadres du rassemblement, ainsi compris l'honorable Gabriel Kingwa-Koumanza, qui en est le coordonnateur. Voilà, nous avons Maître Dany, il est acteur politique indépendant. Maître Dany, bienvenue. Bonjour, bonjour également à tous les téléspectateurs ainsi qu'à tous les co-débatteurs ici présents. Voilà, la majorité présidentielle, c'est le CNC de Piyush Mwabilou qui est avec nous. Ce parti est représenté par son président urbain, M. Dominique. Bienvenue. Merci beaucoup, M. le journaliste. Je profite aussi, j'ai dit aussi bonjour à mes co-débatteurs. Bien, on va débuter ce magazine. La première question, les élections, une priorité de l'équipe Bruno Tshibala. Quelle la vieille considération avec le baladeur, avec les acteurs politiques? Monsieur le journaliste, organiser les élections, c'est une volonté. Si dans le chef du kabilisme, il y a la volonté d'organiser les élections, ça ne peut même pas coûter. Je vous ai toujours donc suivi, d'autres fois j'étais sur votre plateau encore de nouveau, j'avais parlé qu'en 2011, Moulunda a organisé les élections dans 6 mois. Donc, c'est-à-dire, même dans les 6 mois, si la volonté y est, on peut organiser les élections. Mais par rapport à sa façon de voir le changement des modes, nous savons qu'il veut changer les modes de scrutin pour nous amener aux élections indirectes. Tout ça, il est en train d'accomplir la tâche qui lui a été dévolue par la majorité présidentielle. Peut-être nous amener au référendum, chose que nous disons non. Et d'ailleurs, lui, quand il parle des élections, il a des moyens pour organiser ces élections. Il n'a pas de moyens. Je vous dis sincèrement qu'en décembre 2016, avec Tshibala, il n'y aura pas d'élection. On débute ce magazine par vous, M. Christian Kitungwa. Vous avez suivi l'installation de l'équipe Tshibala qui a même commencé le travail. On peut dire que le rassemblement est satisfait du début du travail de l'équipe Tshibala. Si la question serait... Est-ce que ce gouvernement respecte le norme ou l'accord dans son intégralité? Quand je dis son intégralité, nous sommes en train de parler de l'esprit et la lettre. De l'accord. De l'accord. Vous êtes en train de me parler d'un certain Tshibala qui est aujourd'hui Premier ministre, celui qui regroupe qui autour de qui? Parce que nous devons nous dire de droit en nous regardant dans le blanc de l'œil, est-ce que ce gouvernement est dans l'esprit et la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre? Absolument pas. De deux choses l'une. Soit nous respectons l'accord, soit nous ne respectons pas l'accord parce que cet accord est venu porter de béquilles à M. Kabila pour qu'il continue un peu jusqu'à ce que l'on ait des élections
d'une manière apaisée et tranquille. Ça veut dire en fin 2017. Décembre 2017. Et maintenant que nous sommes en train d'observer à des mesures impopulaires et frappées d'une mort congénitale. Ça veut dire quoi? Que ce que M. Kabila est en train de prendre comme mesure, c'est du copier-coller de l'époque de M. Mobutu. Évidemment, nous avons vu Faustin Birindoa, nous avons vu Mungulu Diaka, tout ça, pour passer du temps, prendre un peu du temps, pour que cet accord ne soit pas appliqué. Pour vous, ce sont des manœuvres. Pour nous, c'est un non-événement pour le gouvernement de M. Tshibala, parce que, posez-vous la question, M. Tshibala pèse quoi? Quand je dis pèse quoi, ce n'est pas par rapport à l'individu, c'est par rapport aux gens qui sont derrière lui. Il a combien d'élus avec lui? Lui-même n'a jamais été élu. Olengankoy pèse combien? Il a un seul député je suis en train de parler des individus. Je ne parle pas, certainement, de l'individu Tshibala. D'individus Olengankoy, ils pèsent combien? C'est vrai, ce sont de politiques congolais. Non, mais malgré ça, ils sont ce là. Sont de politiques en train congolais. De travailler. Mais déjà. Nous sommes en train, quand je suis en train de parler du poids politique, c'est par rapport au quota, par rapport au quotient. Bon, je vais dire, c'est par rapport aux élus. Tshibala à quel parti politique? L'UDPS. Quel UDPS? Évidemment. Parce qu'il a été exclu de l'UDPS. C'est un décor. J'arrive parce qu'il a déjà, été on va y revenir. De l'UDPS il y a longtemps. Olengankoy a un seul député qui est son cousin, Emery Okundji. Alors, je ne sais pas quel poids que ça prend cette histoire-là. En guillemets, on va y revenir. C'est le décor que vous venez de planter, monsieur Dominique. Vous êtes la majorité. Eh bien, vous avez suivi votre co-débatteur, le gouvernement Tshibala est déjà pied d'œuvre. L'objectif primordial ou la priorité pour le ministre, le premier ministre Bruno Tshibala, c'est conduire le pays vers les élections. Une mission possible? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question posée. D'emblée, je dirais que ce n'est pas une mission difficile du tout comme facile, parce que nous savons que lorsqu'un gouvernement est investi, il a toujours l'objectif à atteindre. Ici, quelle est la mission confiée à son Excellence le Premier ministre Bruno Tshibala? La mission qu'on lui a confiée, c'est d'amener le peuple congolais aux élections et d'améliorer aussi la vie sociale du peuple congolais. Parce que nous parlons élections. Parce que la question est posée, est-ce que le gouvernement Tshibala est à mesure de nous amener aux élections? Là, je vais répondre. Moi, j'ai dit oui. Oui, c'est un gouvernement. D'ailleurs, lui-même, il est déterminé. Il a dit qu'il va mobiliser les ressources internes pour organiser les élections. Au cas où il trouvait qu'il n'a pas le moyen pour organiser les élections, il peut faire recours à la communauté internationale. Ce n'est pas aussi un péché. L'essentiel, c'est quoi? C'est de nous amener aux élections. Ici, il n'y a pas question de parler sur le poids politique de quelqu'un. Savoir si Tshibala a combien de députés, il est de quel parti. Si mon co-débatteur peut nier sur ce plateau que Bruno Tshibala n'est pas de l'UDPS, mais moi je me dis que non, nous devons communiquer. Là, il a été chassé par. Est-ce qu'il peut l'UDPS, monsieur Dominique. Nous savons comment ces histoires s'est passées. C'était à l'absence du soleil et de la lune. Nous savons comme cette histoire s'est passée. Cela veut dire qu'il y a effectivement des histoires qu'on a montées. De toutes pièces. Mais le premier ministre, son Excellence M. Bruno Tshibala, il gère. Il a quel poids politique? Mais ici, quel est le capital d'un homme politique? Le capital d'un homme politique, c'est le savoir et le vouloir. Cela veut dire quoi? Il a milité, il a été pendant au moins 36 ans à côté de cette icône, qui est même l'initiateur, le fondateur même du Rassemblement. Cela peut faire de lui Premier ministre sans l'aval des autres membres du Rassemblement qui ne l'ont pas choisi. Il a été choisi en respectant l'esprit et la lettre. Il a été choisi par qui? Mais c'est constitutionnel, c'est le chef de l'État qui nomme. Il a été proposé sur une liste de 5 personnes, vous savez, je ne sais pas encore revenir sur ce débat-là. Et que dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État,
il a fait son choix sur Bruno Tshibala et que Bruno Tshibala est le premier ministre. Je ne pense pas qu'ici nous pouvons maintenant remettre en cause le poids politique de Bruno Tshibala. Moi je pense là c'est discuté sous la couleur du lait. D'accord. Au moment où nous savons tous que le rassemblement d'ailleurs, l'initiateur c'était qui? C'était le Félix Tshisekedi et l'actuel premier ministre occupait quel poste? Occupait quel poste? Le rapporteur. Donc lorsqu'on l'avait mis à ce poste-là, il reconnaissait quand même qu'il avait un capital politique assez élevé. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous devons... Et il peut facilement amener le pays vers les élections. C'est ça l'objectif. Je vous dis, le dire encore, fin de... Peuple congolais, suivez-moi. Louchoua, suivez-moi. Une minute. Je vous dis, pas de distraction. Nous allons tout droit aux élections d'ici fin 2017. Donc si notre parti tout droit vers les élections exige l'application de l'accord, le rassemblement veut toujours nous distraire. D'ailleurs, ce rassemblement doit être aussi dissous parce qu'ils ont même échoué à leur mission qu'on les avait confiée par les fondateurs. Donc il ne faut même pas parler du rassemblement parce que le rassemblement, nous savons, on va y revenir. Mais pour chuter, je voulais seulement dire ceci. Peuple congolais, vous êtes déjà enrôlé, vous qui n'êtes pas encore enrôlé, allez vous enrôler. Les élections seront bel et bien lieu organisées. Donc d'ici fin 2017, nous irons tous aux urnes pour que vous, le peuple congolais, c'est à vous de nous juger qui a un poids politique, qui n'a pas un poids politique, c'est au peuple. Vous voulez aller aux élections. Alors, voilà. Maître Dani, au regard de deux considérations faites ici par vos co-débatteurs, quelle est votre lecture? Évidemment, comme vous l'avez évoqué ici à un certain moment, vous avez posé la question de savoir si c'est une mission, cette mission est possible. C'est vrai, moi je dirais que il est difficile ou encore quasi impossible. La première difficulté avec la mission du gouvernement Tshibala, c'est quoi? C'est que Tshibala ne réunit pas le consensus. Tshibala est en train de conduire un train qui n'a pas embarqué pratiquement tout le monde, avec la crainte que nous risquons de nous retrouver aux élections sans toutes les classes politiques congolaises. C'est ça la première difficulté. Et or, si nous arrivons encore à de telles élections sans inclusivité, il y aura toujours cette difficulté ou ces conflits de légitimité et ce sera toujours un cycle de violence, de contradictions et de crises politiques. Ça, c'est la première difficulté que nous sommes en train d'évoquer. Donc, il n'y a pas eu un consensus autour de la personne de M. Tshibala. À entendre justement le rassemblement qui réunit cette légitimité, qui ne se retrouve pas, qui ne se reconnaît pas dans la personne de M. Tshibala. Tout ça, c'est d'abord une difficulté. Et avec cette difficulté, apparemment, c'est très difficile que nous puissions au fait conduire les élections de la manière dont il est en train de les soutenir. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est au niveau sécuritaire. Au niveau sécuritaire, tous les éléments laissent croire au fait qu'avec cette situation sécuritaire, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourra organiser des élections comme le prétend Tshibala d'ici fin 2017 et comme l'a si bien évoqué mon co-débatteur ici, M. Dominique. Comment peut-on faire ces élections avec cette situation sécuritaire? Mais lui, il est optimiste quand l'aboutissement est heureux de ces élections. Non, soyons objectifs. Je crois que le peuple est assez mûr pour comprendre certaines choses. Soyons optimistes et soyons plutôt objectifs. Comment est-ce qu'on peut organiser les élections en 2017, aujourd'hui déjà, mai, fin mai, c'est déjà dans 6 mois, la situation sécuritaire n'est même pas encore... elle n'a pas encore trouvé de solution au niveau du CACI. À l'est, c'est tout ce qu'il y a comme poste de résistance et conso. Je crois que sur le plan sécuritaire, et ça a été bien évoqué par le monsieur Nangra pour faire voir qu'il était difficile. Et il a même suggéré qu'on pouvait faire des élections sans les CACI. Et il est allé même dire que la seule possibilité de faire des élections d'ici 2017, c'est de le faire sans la province du CACI. Et ça, c'est encore une autre difficulté. Ça, c'est de deux. La troisième difficulté, c'est au niveau du financement. On va organiser les élections avec quel budget? Parce que le budget a été déjà voté. Le budget pour les élections, c'est plus ou moins 1 milliard de dollars. Pratiquement, presque, près de 30% du budget national.
Je ne vois pas avec cette crise de conscience qu'il y a dans la classe politique, avec ce manque d'inclusivité que la communauté internationale... Parce que quelque part... Non, justement, parce que j'ai entendu M. Dominique évoquer une question pour dire, bon là, M. Tshibala va mobiliser les moyens et il va faire recours à la communauté internationale. Moi, je ne vois pas cette communauté internationale aujourd'hui intervenir en RDC avec des fonds aussi importants pour soutenir une élection qui ne rencontre pas l'unanimité de la classe politique. Je ne sais pas. Ça, c'est très difficile. Ça veut dire que les élections sont hypothétiques cette année. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une mission difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est une mission extrêmement difficile. Je crois qu'à ce stade, il y a encore lieu de revenir encore sur le départ. Le départ, c'est quoi? Il y a eu un problème au niveau de l'accord qui n'a pas été appliqué. Il n'y a pas eu consensus au niveau de l'accord. Revenons à l'accord. L'accord est là, les bases sont là. Et donc, discutons. Il faut un consensus autour de l'accord. On va y revenir. Justement. M. Christian Kitungwa, le consensus dont votre collaborateur parle, comment y arriver? Évidemment, pour qu'il y ait élection fin 2017. Je vais d'abord comprendre c'est que mon co-débatteur n'est pas d'accord avec le discours de M. Kabila. M. Kabila, au Congrès, les deux parlements réunis, il prend la parole disant: nous ne voulons pas l'ingérence. Nous allons organiser les élections avec nos moyens, sans l'aide de la communauté internationale. Je suis heureux d'écouter ici que mon cher frère Dominique contredit son président en disant que Tshibala va recourir. Donc disons, le président de la République va recourir à la communauté internationale. Au cas où, il va recourir parce que la République, il va recourir parce que la République n'a pas de moyens. La République n'a pas de moyens. Nous avons écouté ce même langage quand ils ont eu le gouvernement de Sami Badibanga. Nous avons écouté. Ils ont dit, ils ont loué. Comment est-ce que Badibanga va nous organiser les élections? Il va réunir les moyens. Et puis après, le gouvernement qui avait pour mission d'aller nous organiser des élections, il se déclare incapable de mobiliser le recette. Où ils vont sortir cet argent? Où? Parce que tout est verrouillé, ils sont conscients. Cette communauté internationale que vous êtes en train de demander de l'aide, monsieur, soyons sérieux. Au cas où, soyons sérieux. La communauté internationale vous demande l'inclusivité de l'accord. Et vous prenez un poignet de gens, vous confiez ce que vous avez à confier, parce que c'est un dialogue vertical, et vous êtes là en train de signer tout ce qui tombe dans le stylo, et vous pensez que la communauté internationale peut venir à l'aide. Détrompez-vous, messieurs. Par rapport au consensus, vous êtes en train d'écouter les langages aujourd'hui de gens de la mouvance présidentielle que j'ai cité, MP. Nous allons aller aux élections. Et non, le gouvernement se le cap vers les élections. Oh, ici les élections, ici le référendum. Nous allons aller aux élections, mais quand le rassemblement veut sensibiliser ses membres pour leur dire allez, vous enrôlez parce qu'on veut aller aux élections? Non. C'est comme si nous sommes quelque part. Il y a un match. Il y a l'équipe A et l'équipe B. L'équipe B est dans le stade. Il est déjà au stade, en train de se réchauffer. Nous allons jouer, il y a un match. Mais quand l'équipe A veut entrer au stade, non, non, vous restez là-bas. Mais il y aura un match. Nous allons jouer au match. D'accord. Mais là, ça ne va pas. D'accord. Nous voulons cette démocratie que vous avez prônée aujourd'hui, que vous êtes en train de tout faire. Vous avez le cap. Vous allez me dire ici, quelle manifestation du rassemblement avez-vous déjà laissé? On va y revenir. Je suis en train d'arriver. Laissez-moi parler. Allez, une minute. Quelle manifestation du rassemblement avez-vous déjà laissé? Même quand ce sont des meetings de salon, des réunions de salon, vous êtes en train de suivre. Vous avez le cas récemment d'ailleurs de la conférence débat de l'honorable
Christian Mwando Simba, salle à Roupé. Dans la salle, on interdit aux membres, aux gens et l'honorable Christian Mwando invité par les ONG pour débattre la situation actuelle de notre pays. Il est bloqué parce que il faut étouffer. Nous sommes maintenant dans la dictature plus que Mobutu. Il faut un consensus. Il nous a parlé du gouvernement. Le gouvernement qui va mobiliser le fonds. De quel gouvernement il nous parle? Ah donc, vous ne reconnaissez pas le gouvernement, vous ne reconnaissez pas. Le gouvernement remanié? Parce que vous avez le rôle de poser la question. Je vais un peu poser cette question. Il peut nous dire combien de membres que Tshibala a intégré. D'accord. S'il renie le poids politique que apporte cette mascarade d'Olenanko et de Tshibala, qui n'ont pas un poids, ils ont réussi à introduire combien de membres dans ce gouvernement? Il répond. Trois personnes. Il répond tout de suite. Je réponds. Trois personnes. Quel ministère ils ont pris? Le ministère de souveraineté? Absolument rien. Le finance? Qui a le finance? Les régies financières? Qui ont les régies financières? Ce sont les gens qui ont refusé de nous organiser les élections et qui bloquent et verrouillent tout. D'accord, M. Kitungwa. Nous sommes en train d'assister à une chose, c'est que M. Kabila est en train de tuer politiquement les opposants. S'ils ne comprennent pas, ils sont en train de prendre... Bientôt, vous allez voir ce qu'il va faire de Tshibala. Comme il a fait avec Badibanga. Aujourd'hui, Badibanga peut se faire... On va y revenir, M. Kitungwa, s'il vous plaît. Alors, M. Dominique, consensus sur comment y arriver au regard de toutes les revendications ou les avis qui sont émis par le Rassemblement au regard de ce que vient d'évoquer votre co-débatteur, Christian Kitungwa. Merci beaucoup, M. le journaliste. Je vais commencer par rencontrer un peu la préoccupation, l'intelligibilité de Maître Dany. Et je veux aussi arriver à... Monsieur Christian Kitungwa, et j'aurai aussi le temps de répondre à votre question. Allez-y. Posée. Allez-y. La situation actuelle dans la République démocratique du Congo est calme. Je vais vous faire un petit tableau. Sur 26 provinces qui constituent la République démocratique du Congo, nous avons 4 provinces seulement où il y a un peu de problèmes d'insécurité. Au Kassai, il n'y a plus de problème. Au Kassai, c'est maintenant, la justice est en train de faire son travail. D'ailleurs, d'ici là, on va lancer l'enrôlement au Kassai. Sur les 145 territoires qui constituent notre République, nous avons 8 territoires seulement qui posent aussi des problèmes. Donc, vous voyez déjà que sur le plan sécuritaire, on peut organiser les élections et les élections seront organisées. Donc, ici, je suis en train d'assister... comment l'opposition ici ou le rassemblement avec mon co-débatteur du milieu, ils sont en train de souffrir pour me convaincre comment et pourquoi on ne doit pas organiser les élections. Mais réellement, s'ils ont besoin qu'ils puissent aussi gérer ces pays, mais je pense que ce n'est pas les élections. Mais lorsque tu vas être en train de travailler, pour nous amener aux élections, et ils sont les premiers à dire que non, nous serons pas. Mais d'abord, au départ, eux ne le reconnaissent pas. Mais Dany a évoqué tout à l'heure qu'il faut qu'au départ, il faut qu'il y ait un consensus. Le bateau Tshibala n'a pas. C'est ce que j'ai qualifié de distraction. Ce sont des distractions. Nous sommes partis des concertations. Nous sommes allés au dialogue avec Eden Konjo. Nous sommes revenus avec Senko. Vous voulez quel consensus? Ça, c'est la distraction. Cette fois-ci, il n'y a plus de dialogue. Il n'y a plus encore que 4 ou 5 personnes se retirent à côté. Oh, parlons comment? Non. Nous voulons tous aller consulter le souverain primaire. Ça veut dire quoi? Pourquoi vous consulter le souverain primaire? Cela veut dire aller tous aux élections. Ils ont peur de quoi? Lorsque Christian Kitungwa est en train de parler, vous sentez qu'il n'est même pas organisé par rapport donc à... Il n'est pas prêt pour affronter les élections. Oui. Nous, la majorité, nous disons, nous sommes pressés. Pourquoi nous demandons déjà au Premier ministre d'accélérer. Il va accélérer quoi? Il va accélérer par présenter déjà une loi de finances. Vite, là, comme ça, nous saurons dans combien de temps
que la CENI peut être en possession de cette somme d'argent-là pour permettre même à la CENI de décembre 2017. Je vous dis, les élections seront organisées d'ici 2017 et d'ici décembre 2017. Si eux ils sont en train de penser à un autre dialogue, nous disons non, ils ont seulement peur. Voyez un peu. Au cas où ici, les moyens possibles. Il a parlé de doucement, doucement, monsieur Dominique. Au cas où les moyens font défaut, y a-t-il possibilité d'utiliser la stratégie qui avait été mise en place d'organiser les élections les moins coûteuses? C'est tout à fait normal, nous devons réfléchir, mettre les moyens. Oui. Universel indirect. C'est une réflexion politique pour organiser les élections. Crédible, transparente, je ne sais pas comment, tout dépend. Si nous trouvons que nous devons organiser, la CENI doit organiser les élections le moins coûteuses, en quoi ça fâche? L'essentiel, c'est quoi? Que nous puissions renouveler la classe politique, que le peuple congolais puisse réellement se choisir ses dirigeants. Pacifique au sommet de l'État. Sans problème, c'est ça, nous sommes les respectueux des tests. Allez-y. Lorsque mon co-débatteur Christian est en train de parler sur la composition du gouvernement Badibanga. Mais ce n'est pas à moi de donner la leçon à Maître Christian. Monsieur Christian, il sait que pour composer un gouvernement, c'est un problème de composantes. Chaque composante donne ses noms et puis on compose un gouvernement. Donc ce n'est pas à Tibala lui-même de dire que non, il va aller. Non, tous les ministères clés sont restés à la majorité du gouvernement. Il n'y a pas de qui les gouvernements. Les ministères de souveraineté. Je réponds à la question. Le gouvernement. Je réponds à la question. Allez-y. C'est constitutionnel. Lorsqu'on voit des ministères de souveraineté, lisez l'article 91. C'est clair. Donc, ne pensez pas que l'accord est venu remplacer la constitution. Sinon, on allait parler d'un régime spécial. Dans le cas d'espèce ici, nous sommes tous respectueux de la constitution de notre loi fondamentale. Donc, c'est quoi? Le gouvernement actuel qui est dirigé par son Excellence Bruno Tshibala, c'est un gouvernement qui va nous amener aux élections, quel que soit le problème qui peut surgir à tout moment. Mais la mission régalienne même de ce gouvernement, c'est amener les peuples congolais aux élections. Voilà un peu ma lecture par rapport à tout ce que mes deux co-débatteurs voulaient dire. D'accord. Mais n'oubliez pas qu'il y a une certaine résolution, une résolution 2348 du Conseil des Nations Unies. On a donné la charge à Mamane Sidikou, afin qu'il puisse consulter, qu'il consulte nos camarades. Qu'il consulte le camarade du rassemblement. D'ailleurs, je tiens aussi à vous signaler que le rassemblement, je ne vois pas même pas sa raison d'être. Le rassemblement a déjà échoué. S'ils ont seulement assez courage, qu'ils se réunissent dans un groupe. Dans le de la dissolution du rassemblement. Il faut dissoudre directement ce rassemblement. Pourquoi la question, vous allez me poser. C'est sur ce plateau que j'avais dit qu'un enfant était né en Géviat, à Chalamet. À Chalamet. Voyez que l'enfant-là n'a pas pu bien grandir. C'est le moment de dire que non, mon frère du rassemblement, la mission c'était quoi? La mission c'était que nous puissions récupérer le pouvoir, mais nous avons échoué. Si c'est comme ça, chacun rentre dans son parti politique, dans sa plateforme, et puis nous allons tous battre les campagnes et nous allons gagner les élections. Et c'est maintenant que nous pouvons songer à ce fameux rassemblement. D'accord. Mais ici déjà, si camarade Christian ou mon co-débatteur Christian, il est en train de parler au nom du rassemblement, mais moi, à sa place, j'ai honte. Est-ce qu'il peut citer son président ici? Il parle d'un certain Kyungo Kumanza ici. On ne parle pas des individus. Non, ce sont les personnes emblématiques. Il a cité Olengankwa, vous n'avez pas interdit. Il a cité Olengankwa, il a cité Tshibala. Rapidement. Ce sont des personnes emblématiques. Donc, il y a déjà ici au Katanga, même dans la carrière, la vie politique de congolaise, lorsque vous les citez, on ne se pas les taxer de tout ce qu'ils ont fait. Mais dis-moi, Tshibala, il n'a jamais tué, Tshibala n'a jamais volé. Voilà un monsieur qui répond profit pour le chef de l'État. Ce monsieur, il n'a jamais volé, il n'a jamais tué. C'est un monsieur qui pourra nous amener d'accord aux élections. On revient voilà à vous. Maître Dany, il y a eu une brèche que nous avons évidemment élucidée tout à l'heure. S'il y a difficulté d'avoir suffisamment de moyens pour organiser les élections fin 2017, peut-on envisager la possibilité d'organiser les élections les moins coûteuses, veut dire faire recours au suffrage universel indirect pour un certain nombre d'élections? Est-ce que cela serait une aubaine pour le pays d'aller tout droit vers les élections?
Non, d'emblée, j'ai dit que c'était un plan déjà prévu depuis tout ce temps. Cette question a été évoquée il y a longtemps, avant même les dialogues, je crois qu'il est en train de... Et d'ailleurs, aujourd'hui, s'il y a référendum, je crois que le référendum fera justement allusion à cette disposition qui voudrait assez connaître aux élections indirectes. Et ça, c'est aussi une... À défaut d'avoir de moyens, vous ne voyez pas que c'est une lueur d'espoir. Non, en fait, les élections indirectes à ce stade, avec tout ce qu'il y a comme... avec la gestion de la crise politique actuelle, je crois que nous aurons encore beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés. Ça sera une première expérience qui va probablement, en tout cas, nous causer encore beaucoup d'autres difficultés pour en fait, avoir seulement le comportement et l'attitude de la classe politique congolaise. Je pense que laissons d'abord au peuple de faire, d'élire directement ses dirigeants comme il l'a voulu dans la Constitution. Respectons quand même le peuple. Et les moyens, pose problème, maître Dany. Vous l'avez évoqué vous-même. Le problème des moyens, c'est un problème voulu. En fait, c'est un problème voulu. Nous l'avons évoqué depuis tous ces temps. On ne peut pas encore revenir sur des anciens débats que nous avons évoqués ici pour dire que, en fait, l'Assemblée nationale, justement, avait accordé, en fait, il y avait une rubrique, en fait, qui permettait, en fait, qui mettait à côté des moyens qu'on pouvait affecter à l'organisation des élections, qu'on devait affecter à la CD pour le chaque budget. Mais tout cela, toutes les prévisions budgétaires en rapport avec les élections n'ont pas été respectées. Et tout ça laisse voir en tout cas qu'il y a une intelligence qui est en train d'organiser toutes ces choses, qui est en train de vouloir d'entretenir toute cette confusion. Et ça, c'est vraiment une grande difficulté. Et aujourd'hui, procéder à des élections indirectes, je crois que c'est pratiquement jouer la démocratie. Laissons d'abord le peuple évoluer. Pourtant, ça s'est fait sous d'autres cieux. Pour des jeunes démocraties comme la République démocratique du Congo, ce n'est pas tout à fait possible. Parlons de vieille démocratie, les États-Unis et consorts, ça va encore, mais pas pour cette vieille démocratie. C'est très difficile, c'est très difficile. Regardez d'abord ce que nous avons aujourd'hui comme députés. Comme député, ça pose déjà problème. Comme sénateur, mais bon, tout ça, ça pose déjà problème. Non, ce que nous proposons, c'est quoi? C'est que la classe politique congolaise revienne à la raison. Qu'ils aient un peu pitié de cette population. Regardez le niveau de la misère de cette population. On ne doit pas faire de la politique politicienne. On doit comprendre que lorsqu'on fait la politique, c'est une mission, c'est une responsabilité, c'est une conviction, c'est une vision en même temps. Lorsqu'on continue à faire cette politique politicienne, nous allons tuer des milliers de Congolais. Ça, c'est une question. Ici, je voudrais revenir sur la question qu'a évoqué mon co-débatteur ici, pour dire que M. Kabila tue politiquement l'opposition. Non, c'est vrai que dans la politique, c'est vrai qu'il y a toujours des combats, il y a toujours des luttes, évidemment, pour le contrôle du pouvoir, les autres, c'est pour accéder au pouvoir. Ça, c'est une lutte politique tout à fait universelle. Mais on doit reconnaître aussi quelque part que M. Kabila est en face d'une opposition à mal de positionnement. C'est l'opposition congolaise. Hein. Oui, justement. Il est en face d'une opposition en mal de positionnement. Vous parlez de qui là? Lorsque l'opposition congolaise. Quand vous dites en mal de positionnement, vous êtes en train de parler de l'opposition congolaise. Vous parlez de gens qui ont démissionné à leur poste? Écoutez, vous êtes en train de parler d'Olivier Kabila qui a démissionné à son poste. Permettez-lui de parler de Moïse Katumbi qui a laissé le gouvernement. C'est ça qui tout moi. Vous parlez de la sénatrice qui a laissé son poste. Vous permettez de construire son idée. Quand vous êtes en train, évidemment, de parler de gens en mal de positionnement, vous êtes en train de parler de gens qui ont laissé de leur propre gré le poste pour l'intérêt de la nation. Alors, allez-y, construisez votre idée. Laissez-moi construire. Allez-y. Parce qu'un débat constructif doit construire aussi. Laissez-moi construire mon idée. C'est ça toute la difficulté. Monsieur Kabila a ravi Tshibala. Monsieur Kabila a pris Badibanga. Monsieur Kabila, on ne sait pas demain ça sera encore qui. Peut-être demain ce sera encore Félix. Qui le sait? Tout ça. Et aujourd'hui, la population ne se retrouve plus pratiquement comme du temps de Tshisekedi dans l'opposition. Elle ne sent plus l'incarnation du leadership tel qu'elle avait dit. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça, c'est un problème. Chaque branche de l'opposition tire le drap de son côté, cherche ses intérêts. C'est ça, justement. C'est ça. Peut s'allier facilement avec qui il veut. C'est cette lutte de positionnement qui fragilise, au fait, l'opposition et qui fait assez que, voilà, la majorité est en train de s'étaler un boulevard pour
Alain Faye qui va dans des élections dans des conditions qu'elle voudra. Ça, c'est une difficulté. Moi, je pense qu'au niveau de l'opposition, on doit encore réfléchir, on doit encore recruter comme il se doit, parce que nous sommes en train d'assister à d'opportunistes politiques. Quelque part, soyons sérieux. On a en face des opportunistes. Nous savons. C'est une difficulté et c'est une question assez sérieuse, parce que quelque part, la majorité doit se trouver en face, en tout cas, des gens qui sont convaincus de D'accord, Mekdani, on revient voir M. Christian Kitungo. Vous réagissez déjà par rapport à cette brèche évoquée par votre co-débatteur. L'opposition ne sait pas se mettre ensemble pour faire face à la majorité. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a une dissension au sein du Rassemblement. Il n'y a pas d'unanimité. Vous ne reconnaissez pas le Rassemblement Oulingankoy qui travaille aujourd'hui avec le pouvoir, notamment avec Bruno qui est là comme Premier ministre. Finalement, le problème que votre directeur évoque est de très grande envergure au regard de ce qu'observe la population congolaise. Ce qu'observe la population congolaise. Allez. Il parle au nom de quelle population? Allez-y. Je suis en train de rejoindre la pensée qu'il a émise. Parce que faut un peu. Je commence par M. Dominique. Il a parlé de ministère de souveraineté. Que dans la Constitution, il faut lire la Constitution. Que eux-mêmes sont en train de violer du matin au soir. On n'a jamais violé la Constitution chez nous. Si cette Constitution était une femme, je ne sais pas comment est-ce qu'elle devait être aujourd'hui, parce que du matin au soir, elle est violée. On peut retirer ça, s'il vous plaît. Je ne retire pas. Le ministère de souveraineté, ce ministère de souveraineté-là, comment est-ce que vous allez brandir? C'est pourquoi nous étions en 2011, là où le sphinx délimité, Étienne Tshisekedi, le feu Étienne Tshisekedi, qui dit dans sa feuille de route, il dit que nous voulons un dialogue, Kabila et les siens, Tshisekedi et les siens. Donc ce n'est pas un dialogue vertical, mais un dialogue horizontal. Donc il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de subalterne. Voilà ce qu'on a eu un peu comme à la CENCO, le signataire et le non-signataire. Voilà la vision de Étienne Tshisekedi ou Amulumba. À cette époque, il était taxé de tout sauf rien. Mais nous sommes en train de voir que dès lors que nous acceptons d'aller dialoguer, nous acceptons, nous signons l'accord qu'ils ont eu à signer sous réserve, et parce qu'ils ont été d'accord, ils ont levé leur réserve. Ce qui veut dire les arrangements particuliers qu'on devait signer, qui étaient déjà bien définis par rapport au quota du gouvernement. C'est ça le vrai problème. Nous ne sommes pas ici en train de parler de la Constitution, parce que la Constitution a été utilisée comme un chiffon auprès de gens de la mouvance présidentielle. Il nous a parlé ici des élections. Les élections. Les mots coûteux. Les élections. Mais moi, je pose la question. Par quel mécanisme ils vont nous amener aux élections? Est-ce qu'il peut nous dire comment est-ce qu'ils vont nous... Il peut nous démontrer ça ici. Si c'est une question, je vais répondre. Il nous a parlé ici de Kyungwa Kumanza. C'est un débat de personne que moi je ne veux même pas verser. Vous l'avez commencé. Je ne voudrais pas parler de personne. C'est notre coordonnateur. Eux ne sont pas au rassemblement. En quoi le problème du rassemblement vous concerne? Déjà dissolution du rassemblement. Au profit de qui? C'est ça leur mission. Ils sont en train de dissoudre le rassemblement. Et sachez bien que les débris qui étaient au rassemblement sont déjà partis. Le rassemblement est uni et reste un et indivisible. Alors, répondez à ma question dans la dernière minute qui vous reste. Les élections les moins coûteuses, ça veut dire
aller au suffrage universel indirect. Pour évidemment, est en train s'il vous plaît. De dissoudre. Voilà. S'il vous plaît. Permettez à M. Toutoumba de parler. S'il vous plaît. Le rassemblement est en train de dissoudre. Merci de vos dialogues. S'il vous plaît, que j'ai la parole. Alors, avant de. S'il vous plaît, monsieur Dominique. Alors, avant peut-être de poser la question par rapport au suffrage universel indirect, revenir à ce qui vient d'évoquer votre co-débatteur, l'autodissolution du rassemblement. Ça existe chez vous? Les démembrements. Kamere est parti, Tshibala est parti. Kamere n'était pas au rassemblement. Allez-y. Kamere, bon, je parle de la réunion de Genval. Je suis en train de parler ici. Allez-y, monsieur Kassar. De ce qu'ils ont parlé de Kyungba Kumanza, de Tshibala. Vous avez déjà dit, je voudrais que vous reveniez. J'ai cité le nom, je n'ai pas dit ce que j'étais en train de penser. Allez-y. Tshibala n'a pas tué parce que lui est le fils aîné de Tshibala. Tshibala n'a pas tué. Il est son acolyte, il connaît comment est-ce que Tshibala a vécu. Alors, il veut nous citer de qui a tué et qui n'a pas été interpellé par la justice. C'est la justice de ce pays que eux-mêmes sont en train de gouverner. Si lui a de révélations de gens qui ont tué, s'il vous plaît, il a de révélations de gens qui ont tué et qu'aujourd'hui ne sont pas traînés en justice, ce sont eux de la mouvance présidentielle. Ils ont des éléments. Ils savent seulement traquer les gens en justice. Des histoires montées. Toi, tu as des preuves. Voilà. Les 600 mercenaires, aujourd'hui, on n'en parle plus. On en est où? C'est une mascarade montée de toutes pièces. Des mesures impopulaires frappées d'une mort. L'autodissolution du rassemblement. Congénitale. L'autodissolution. Le rassemblement reste un et indivisible. Ça fait peur à la mouvance présidentielle. Ils sont en train de se. Quelle L? 4 L. Vous êtes en train de me parler de quelle L? Olinga. Eux s'appellent majorité, n'est-ce pas? MP, majorité présidentielle. Qu'est-ce que vous avez de majorité? Qu'est-ce que vous avez de majorité? Répondez à la question, dissolution. Non, moi je dis MP, c'est la mouvance présidentielle. Vous n'avez rien de majorité. L'auto-dissolution, comme il l'a dit, il nous parle de Kamere qui a été... au rassemblement. Je ne dis pas que Kamere a été à la naissance. S'il vous plaît. Nous sommes en train ici de parler du rassemblement. Le rassemblement, je n'ai pas vu Kamere à Genval. Il a été représenté. Vous êtes juriste. C'est là où est né. S'il vous plaît. C'est là où je ne suis pas juriste, mais. Ah, je m'excuse. C'est là où est né. Je comprends. Le rassemblement. Donc, vous devez comprendre que dans tout ce qu'il y a, je ne sais pas, quand le G7 a quitté à la mouvance présidentielle, vous avez dit, c'était la dissolution. La mission confiée à ce n'était pas la dissolution. S'il vous plaît, il a déjà fini. Donc, nous sommes en train de parler ici du rassemblement qui fait mal à la mouvance présidentielle. Parce que s'ils savaient que nous n'avions pas la capacité d'amener le peuple congolais aux élections, comme eux ne veulent pas les élections, ils ont dribblé le rassemblement, le vrai, et alors là, le vrai rassemblement, pour que l'on aille in fine aux élections, tant pis, et faire partir M. Kabila, parce que il y a mes gestions. Voilà, et il ne nous reste que 10 minutes, chacun 3 minutes, on commence par vous, M. Dominique, dans 3 minutes, votre action et votre conclusion par rapport à tout ce qui a été dit. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous venons tous de constater que notre camarade de rassemblement est en train de souffrir pour réellement comprendre pourquoi nous avons demandé que le rassemblement soit dissous. Expliquez-nous comment nous allons aller aux élections, par quel mécanisme. Si c'est les journalistes qui me posaient cette question, je vais leur répondre, il n'y a pas un problème. Même pas un cas. Je dois vous répondre, il n'y a pas un problème. Si c'est une question posée par les journalistes, je suis là pour répondre aux journalistes. Il est en train de nous parler ici que comment nous pouvons arriver aux élections. Mais nous avons un organe technique. Mais vous répondez. Je réponds parce que je sens que vous attendez, ça vous chatouille. Je réponds. Nous avons une institution d'appui à la démocratie qui est la CENI, qui est chargée d'organiser et de convoquer les scrutins. Est-ce que je peux être protégé? Même la Cour n'est pas protégée par rapport
à la réinsertion. Si je peux être protégé, s'il vous plaît, si je peux être protégé par le débatteur, la cour de débatteur est aménagée la CENI. Est-ce que ça sera une bonne chose? Allez-y, M. Dominique. Nous avons une institution d'appui à la démocratie. Nous avons la CENI, nous avons le CESAC, ainsi que le CENSA. D'ici là, il y aura une loi organique pour que le CENSA soit aussi une institution d'appui à la démocratie. C'est à l'institution d'appui à la démocratie CENI d'organiser les élections, de nous expliquer comment ils vont faire, par quelle étape. C'est ça. Nous sommes politiques, nous sommes en train de réfléchir comment aider cette institution d'appui à la démocratie de nous amener tous aux urnes. Allez-y maintenant votre problème. C'est ça. Allez-y à votre problème. Donc ici, si vous êtes distrait, c'est votre problème. Allez-y. Mais nous nous disons chez nous, à la majorité, nous sommes en train de nous organiser par rapport à cette consultation populaire par les élections. Qui est votre candidat? Mais ce n'est pas vous, ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas votre problème. Mais dis-moi, nous savons que... Si réellement vous vous organisez pour les élections présidentielles, vous devriez nous dire écoutez, dans ce quelques ça, mois c'est notre cuisine qui interne. Est votre candidat. C'est notre cuisine interne. Allez, chez vous là-bas, vous avez combien de candidats présidents de la République? Si c'est 7, il y a Matungulu, il y a Katumbi, voilà, il y a Fayoulou, il y a Fayoulou. Voilà, vous êtes voilà, à 10. Démocratie. Pourquoi nous, voilà, on ne peut pas aller dans un ordre dispersé. Voilà la démocratie. Nous, chez nous, il y a... Nous cherchons le respect d'ordre. Nous allons nous réunir tous et nous allons présenter un seul candidat et nous allons gagner. Quand un coup, une fois. Votre centrale est électrique. Donc vous, vous avec vos histoires là, chaque fois vous n'êtes pas organisé. Comme le camarade l'a dit que vous êtes en mal de positionnement. Ici c'est un certain Christian B aussi s'est positionné comme candidat président. Au juste qui va passer c'est et qui sera candidat. Ça c'est, ce n'est pas la démocratie, ça c'est du désordre. Nous devons nettoyer nous s'il vous plaît, il est en train de la conclusion ici, je tiens à signaler à mon co-débatteur de l'électronique. Que fait Tshisekedi qui est maintenant le patron? Tshibala, Badibanga, ils tissent des bonnes relations intelligentes même avec Tshibala. Le fils aîné de Tshibala. Voyez, vous m'avez posé la question, est-ce que tu es à côté de Tshibala? Non, nous savons tous que cette question, monsieur. Nous savons tous que Tshibala n'a jamais volé. Là, j'ai même ma main à couper. Tshibala n'a jamais volé. C'est votre conclusion. Tshibala n'a jamais volé. Tshibala, il n'a jamais tué. Nous connaissons tous. Il était à côté de qui? C'est ça votre il était à côté de Tshibala Tshisekedi pendant 36 ans. C'est un débat. Vous allez nous dire que non, il avait tué ou il avait volé où? Mais nous savons, le gens que nous, ici maintenant, il est en train de plaider que non, on a refusé à un monsieur là qui voulait tenir une... Mais il y a l'article 26 de la Constitution. Avant d'organiser une manifestation, vous devez informer l'autorité. Quand les gens organisent des mariages dans la salle, voilà, maintenant, ils confondent une manifestation politique. Ils confondent une manifestation politique avec le... Vous avez fini. Une cérémonie de mariage. Vous avez fini. Pour moi, il n'a pas d'arguments. S'il vous plaît, vous avez fini. On va évoluer. Qu'est-ce dit la Constitution? Le meeting de salon. Monsieur Christian, les réunions de salon. Vous avez la parole, votre conclusion, 3 minutes. Et il nous demande, il nous pose la question. Vous avez la parole, allez-y. Il faut demander l'autorisation. Il ne faut pas demander, il faut informer. Il y a une loi organique qui organise tout ça. Après l'information, il y a aussi des préalables que vous devez respecter. Vous n'allez pas vous lever un petit matin, j'organise telle chose, on vous laisse comme si le pays n'est pas géré. Est-ce qu'on peut bien chuter? Allez-y. Monsieur Christian, votre conclusion. Quel genre de politique que... Allez-y, votre conclusion. Quel genre la de constitution, politique, ou bien quel genre de opposants que nous avons, s'il vous plaît. Les opposants qui ne savent pas parler s'il vous plaît. Les opposants qui est-ce ne savent pas chuter? Amener les peuples congolais, chacun il peut toujours nous amener au dialogue. Ce n'est plus le moment de revenir au dialogue. Allons tout droit vers les élections. Vers les élections. Allez-y. Pourquoi vous avez peur? Allez-y, votre résumé. Les opposants se contredisent. Allez-y. J'étais dans ce plateau, un débat contradictoire avec Thierry Mukele. J'avais dit que la CNSA viendra comme l'institution d'appui à la démocratie. Vous vous rappelez? C'était sous votre... Le chef de l'État l'a dit. Il l'a dit dans le Congrès. Il a dit que le député... Vous ne permettez pas de réfléchir pour présenter une loi organique. Vous ne permettez pas de... Le chef de l'État l'a dit au Congrès. Vous n'avez plus de parole. J'étais ici contredit. J'ai démontré dans la Constitution, on m'a dit ici que c'était de fausseté. Les communicateurs de la majorité eux-mêmes en double langage. Aujourd'hui, parce qu'à la mouvance présidentielle, il y a une pensée unique, parce que M. Kabila l'a dit, il faut épouser
il faut épouser. Nous sommes en train de chuter en 10 ans, peuple congolais. Nous sommes en train de nous verser dans des débats des caniveaux. Nous sommes en train, aujourd'hui, le pays est en train de rétrograder à grande vitesse. Nous sommes en train de revenir à l'époque de M. Mobutu Sese Seko. La pensée unique. On étouffe les opposants pour nous imposer leur pensée. Si nous voulons réellement aller aux élections, pourquoi il n'y a jamais eu n'importe quelle manifestation? Même les réunions des salons qui ne sont pas sous l'égide de l'autorité. Pourquoi nous sommes étouffés? C'est parce qu'ils ont tout simplement peur de notre rassemblement. Ils ont joué avec tout. Et alors là, on ne peut plus jouer avec tout. Wait and see. Voilà. Nous verrons où nous allons. Parce que cet accord doit être respecté. D'accord. Et nous allons aller aux élections. C'est de la poubelle, c'est déjà passé. C'est du passé. D'accord. C'est du passé. Allons aux élections. Les élections sont devenues du passé pour eux. Aujourd'hui, ils ne savent pas sur quel pied danser. Allons aux élections. Nous allons aller aux élections. Là, il faut, là, où nous allons aller, là, c'est nous distraire. C'est nous distraire. Aujourd'hui, ils ne savent pas sur quel pied danser. Aujourd'hui, j'ai entendu que c'est les élections. Il y a d'autres qui nous parlent de référendum. Ils ne savent pas sur quel pied danser. D'autant plus que le coût des élections, c'est le coût du référendum. Alors, ils nous parlent du référendum. Comment nous allons aller questionner le référendum en violation de l'accord? D'accord, qui dit qu'il n'y aura pas de référendum. Ils ont fait ce qu'ils ont appelé centrale électorale. Que moi j'appelle centrale électrique parce qu'ils seront tous électroquittés. Ils ne savent même pas avoir un candidat. S'ils sont capables réellement d'aller aux élections foncièrement, dire que nous allons aux élections, leur centrale électrique devait nous produire un candidat disant nous voulons aller aux élections. Ça, ce n'est pas votre problème. Aujourd'hui, ça, c'est vrai, ce n'est pas votre problème. Ça, c'est notre problème à nous, à l'interne. Vous n'avez plus de parole. C'est un débat à l'interne que nous allons faire. Est-ce qu'on peut chuter? Ça, c'est un débat à l'interne que nous allons faire. Ça, ce n'est pas votre problème. Vous organisez-vous autour, je ne sais pas, de quel candidat. Ça, c'est votre affaire. Nous aussi, laissez-nous nous organiser selon notre principe. 30 secondes. Vous n'avez pas de leçons à nous donner dans notre plateforme. Maintenant, présentez-nous un candidat. 30 secondes. Nous allons présenter un candidat. Finalement, Au temps important, nous allons présenter un candidat. 30 secondes, Christian. Vous voyez qu'ils n'ont même pas le respect du peuple congolais. 30 secondes. Ils n'ont même pas le respect. C'est même l'ami qui a la parole. Il n'y a pas de respect. Je veux dire, s'il vous plaît, que leur centrale électrique n'est même pas à mesure de nous donner un candidat pour qu'on sache, parce qu'il nous reste quelques mois d'aller aux élections, comme ils le disent. Je termine en disant que nous devons signer l'arrangement particulier. Parce que cet arrangement que moi j'appelle dérangement particulier. On l'a déjà signé. Leur dérangement particulier qu'ils sont allés signer. Je ne vois pas. Parce que, monsieur le journaliste, vous avez vu ce qu'ils ont fait au Kamtchatch. Je ne sais pas, ils sont allés s'amuser. Il a parlé plus de 5 minutes. Même si c'est la conclusion, vous comprenez que finalement, vous comprenez que là, nous sommes vous ne respectez pas le téléspectateur, finalement. Vous ne respectez pas le téléspectateur. Il a parlé plus de 10 minutes. Monsieur Kitumbwa, 10 secondes, c'est maintenant Dani qui a la parole. Vous avez vu comment est-ce qu'ils sont allés au Kamtchatch, n'ont rien foutu. Et nous, à la CENCO, nous sommes arrivés à faire montre au peuple congolais que M. Kabila ne sera pas candidat. C'est ça le vœu d'accord du peuple congolais. D'accord, et il n'y aura pas de référendum pour qu'on aille. C'est compris. Là, on va terminer par mettre, s'il vous plaît. On termine par mettre, Dani, votre conclusion. Incapable. Allez-y. Bon, en fait, je voudrais juste faire observer que nous sommes en face quand même de gens respectueux, ces peuples qui nous suivent, et que nous leur devons quand même du respect et un débat quand même de qualité. Ça nous versons pratiquement dans une dispute. Bon, en fait, débat de quel niveau J'en passe. Le problème ici, c'est que
Pour conclure, c'est en quelques mots pour dire, quand nous sortons du cadre constitutionnel, tout ce qui s'est fait, c'est de la sorcellerie, c'est le péché, et rien ne va avancer. C'est ça la première observation. Lorsque nous quittons le cadre constitutionnel et institutionnel, et les conséquences, là, nous sommes en train de le constater. Ici, je voudrais relever aussi le fait, parce que mon co-débatteur ici disait qu'ils ont prêté de béquilles à M. Kabila. Moi, j'ai dit non. Il a par contre arraché de béquilles. Qui a parlé de béquilles ici? Qui a parlé de béquilles? Il a arraché de béquilles. Ça tombe. Je ne sais pas d'où. Est-ce qu'il pourrait un peu. Monsieur le journaliste, souvent, nous avons parlé de béquilles ici. Mon idée. Est-ce que nous avons parlé de béquilles ici? C'est compris. Vous l'avez évoqué, et je reprends vos propres mots. Tous ceux qui nous ont suivis, lorsqu'ils vont encore réunir cette émission, ils tiendront compte de ces paroles. Allez-y, alors. Nous avons en fait prêté de béquilles à M. Kabila. Non, M. Kabila a arraché de béquilles. Il a justement entraîné l'opposition dans une fausse piste pour l'amener à légitimer son pouvoir. Mais c'est la malhonnêteté. C'est une intelligence politique. Ça, c'est votre naïveté, par contre, de l'opposition. Parce que déjà, le 19 décembre, le peuple était déterminé à dire non. Et vous, vous avez cautionné cette légitimation du pouvoir de Kabila. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un cycle interminable de conflits, de légitimité. Et voilà où nous en sommes. Comment résoudre cela? Le peuple doit tout simplement comprendre que c'est lui le peuple souverain, le pouvoir. C'est lui, il a été décidé le 19 décembre, il voulait le faire. Et la véritable opposition, ce n'est ni Félix Tshisekedi, ni Moïse Katumbi, mais c'est plutôt la misère du peuple congolais. Merci, M. Daniel. Voilà. C'est ma résine de faire. Merci à tous, à chacun de l'avoir suivi. Merci à M. Christian Kitungwa du Rassemblement. Vous représentez également votre parti politique, là, d'ailleurs, de l'honorable François Mwamba Tshishimbi. Merci à M. Maître Dany, acteur politique indépendant. Merci à M. Dominique Kadisha de CNC, qui représente la majorité présidentielle. Carrefour d'analyse passe dimanche à 21h, la rediffusion lundi 14h. Vous pouvez également nous suivre sur YouTube, Facebook, ainsi que Twitter et d'autres réseaux sociaux. D'ici à ce que l'on se retrouve, portez-vous bien chez vous. Au revoir.